Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h 9h matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti, qui bon campé, chaque acteur, quel nom gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, a droit de parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, Premier ministre Vanspa, Valérie Nima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience de bouleverser. On prend responsabilité, nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé, du lundi au vendredi, de 8h à 9h AM, sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h, 8h PM. Société que pas balancée, si vous capez la différence. Yo pas forcément Lili et des monde qui croit que code pénal ça et son code pénal qui ta capable dit bay une ouverture à des bouches et des monde qui qualifie le de satanique tout comme tout gain deux monde moi recevoir là notamment doyen tribunal première instance au cas là qui dit même croit que code pénal là c'est vrai gain deux bagages faut à regarder yo mais gain des bagages il pensait que qui intéressant par exemple par rapport à virage numérique qui gain là il admettre et preuve numérique, gagne de l'autre bagaille ou parler, preuve biomédicale, etc. Ou même qui déjà, et je suis certain, li code pénal là, qui ça qui attire attention là-dedans? Bon, Charles Famzou, code pénal ça, c'est un document, j'ai commencé à travailler sur lui depuis sous Préval, en 1998, que j'ai commencé à penser pour gagner un nouveau code pénal. Parce que code pénal, nous avons aujourd'hui, hein, qui a cap utilisé dans le pays, hein, son code pénal qui l'a depuis 1835, ok? Ouais. Depuis 1835, ça fait 185 ans depuis que nous avons un code cap utilisé dans le pays d'Haïti. Et puis, je pense que il est le temps pour nous avoir l'autre code pénal. Mais depuis 1998, j'ai commencé à penser pour avoir l'autre code pénal. Après, non, depuis 2008 avant. On a vu un tremblement de terre en 2010 qui vient de passer. C'est à travers ça, au terrain, post-disaster né dans ces semaines, c'est qu'il y a un plan de relève après 12 janvier, côté toute ONG était réunie, il y a eu une disposition, côté un pile ONG est accepté pour venir financer comme ça. Okay? Mm. Rédaction au nouveau code. C'est comme ça, c'est qu'il y a des commissions qui sont montées, par exemple, il y a une commission Magloire, ancien ministre de justice Magloire, il y a plusieurs autres mondes, ancien ministre exclumé. Il y a plus encore qui travaille sur le code pénal. Et quand ça, il y a eu commencé à travailler sur lui, mais il y a pile rencontre, un pile colloque, un pile bagaille qui était fait avant que le code où il est là, il est venu accoucher. Mais c'est un code que moi-même, je vais regarder en profondeur, Bichara, son code qui est une équipe bon bagaille là-dedans. Okay? Son code qui est une équipe bon bagaille, mais là-dedans, tout, une équipe bagaille qui supposé faire des pas. Une équipe bagaille qui supposé discuter, et c'est ça qui fait journée aujourd'hui, hein, où il y a un gros débat dans la rue, hein, parce que c'est pas parce que le code pénal a mérité changer qui fait que on est prend sous responsabilité, comme le président de la République fait, pour qu'il publie un code pour ça par décret. Moi-même, je suis pas d'accord, publication par décret, mais je suis pas d'accord tout côté que une équipe mon cap vous et monter dans la rue, qui a fait comprendre que son code qui sortit dans l'air, sortit dans le tombe à terre. Et pourtant, son code qui l'a quelques jours qu'il a travaillé sur lui, et il était déposé au niveau du Parlement depuis 2017. C'est-à-dire, un code qui est déposé depuis 2017. Le Parlement a été fait en pile de marches, côté ONG, l'État, dépense en pile l'argent dans la bagaille ça pour voyage, pour aller rencontrer le monde, aller rencontrer tout secteur. Il était allé au Chili, il était allé au Bénin, il était allé au quitte côté dans le pays à tout pour rencontrer le monde. Il y a gagné Baro qui était réuni côté association de Baro qui était touché par lui-même. Tout. Les juges, association de juges, tout touché par code pénal. Ça. Mais le problème, c'est que c'est le Parlement, c'est pas fait travail. Ça fait que code là, il vient pas voter. Si le Parlement a fait travail, débat qui a fait dans la société à jour aujourd'hui, hein, débat ça a fait au niveau du Parlement. Et le Parlement, il y a même qui a le pouvoir pour changer, pour corriger, pour même rejeter s'il le faut, adopter tout. Mais le travail, ça n'a pas de jambe faite.
yo te déjà allé faire colloque monter descendre et ça fait on voit dernièrement qu'on va avec te dit que on pas d'accord pour que ne parlementaire journée aujourd'hui a prend pause VC eux-mêmes qui viennent défendre ceci cela pendant que au dégo espace côté ouais. Légalement vous dites qu'a fait tout ça que vous êtes supposé mais il y a des code pénal là quand on a là de nouvelles infractions des bagages que nous pas dire même dans ancien code pénal nous allons venir sur mettre Pélex Flérem mais tout d'abord comme vous dit ou même on va pour que le code pénal là il publié de par décret qui ça qui empêchait que ou même ou d'accord que code pénal là il était publié par décret non moi même pas d'accord pour publier par décret Non, je ne suis pas d'accord pour publier par décret parce que nos sociétés, l'on a changé la loi dans nos sociétés, quand pénal sont une loi qui est trop importante pour on éclairer par décret, pendant qu'il y a des articles là-dedans, et qui peut être équivoque, il y a des articles là-dedans, dans la société, il y a des bagages qui m'ont décourgé, il y a des bagages qui m'ont débat, il y a des bagages qui m'ont dit faut que la société civile, faut que tout le monde parle de lui. Même lui, on a travaillé sur lui, mais quand même, on nous prend un article. Des articles qui parlaient sur, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle. Il faut débat fait pour qu'on ait connu dans la société hein, qui dit est-ce que nous acceptons toujours 15 ans ou bien nous avons mis la 18 ans, même avec l'âge de la majorité civile, qui 18 ans dans la Constitution. Non? Est-ce que nous avons mis le comme ça? Imaginons nous avons des bagages sur avortement. Est-ce que la société est d'accord pour que nous légalisions avortement? Ça est un débat qui est supposé faire. Et débat, ça, on l'a fait. Il doit faire à travers des gens qui représentent la société. Et qui représentent la société, c'est le Parlement, c'est le parlementaire qui t'a supposé faire. Mais je ne veux dire, quand tu es dans la forme, pile parler de lui, mais je veux dire, tout bichara, il y a une pile hypocrisie qui a fait. Il y a des gens qui ont autant de cas dit là, tout c'est menti et tout, parce que il y a des gens qui ont activité politique qui a pris. Tout à fait. On est entré dans quelques bagailles, moi, t'es tendu. De moun yo brandi qui fait que code pénal là il croit que son code pénal le satanique etc. En nous garder par rapport à homosexualité est-ce que ou même lors du code pénal là on rend compte que Jean moun yo dia son code pénal qui fait promotion pour homosexualité qui s'allie voilà c'est ça me soudou. Par exemple lors du code pénal on pas chance je vois un article dans code pénal là qui dit que homosexualité légalisée on pas chance ça pas un article qui dit l'homosexualité légalisée. Mais il y a des articles qui, comme t'as dit, qui paraît aux gens, par exemple, l'autre article qui dit comme ça que, mais qui peine qui réserve à un monde, qui ont fait discrimination sur un monde qui est homosexuel. Vous comprenez, par exemple? C'est que article ça, il y a interprété comme des articles qui viennent légaliser bagaille, comme des articles qui d'accord, Jean Bagaille, hier, vous comprenez? Ça veut dire que là, problème non, et c'est des articles qui méritent de discuter. Question de l'homosexualité dans la société, non? Est-ce que la société est d'accord? Est-ce que la société est d'accord? Est-ce que le pape est d'accord? Ça, on veut faire débat. Pas question pour les gens qui ont dit qu'ils comme ça. Même le jour où je suis tout là, je parle moi-même, dans lecture, pam, je ne parle pas de l'homosexualité légalisée. Même moi, article qui parlait de discrimination sous le monde comme t'as dit ça, pour orientation sexuelle, comme si des bagages qui pas dans l'ancien code pénal là, qui viennent faire monde dire, bon, s'il y a parlé de ça, ouais, c'est que et homosexualité qui est légale. On change tout, dernier décret qui était sorti sur bagage 4 d'identification, côté où tu parlé de question morphologie, changement de morphologie, changement ça, ouais, où tu parlé là, et ça t'est venu faire comprendre que c'est comme si ils ont légalisé monde qui a changé sexe ou. OK, yo dit depuis on change morphologie, faut al yo dit ça pour changer ba yo dans quatre la pour. Ça veut dire que l'état reconnaît que on monde exactement il reconnaît que monde qui a changé sexe. C'est que c'est tout article ça yo qui mérite discuter parce que nous nos sociétés c'est des changements qu'en fait pas oublier Bichara. Depuis 1835, nous gros vieux code pénal qui va bon même toujours pas bon parce que son bagage nous copier de la France. Sous code pénal français 1810 là, nous copions sous la France, mais la France m'a dit ce bagaille là, il y a plusieurs fois déjà, nous-mêmes nous toujours été. La France pour corriger depuis le ça, ils corrigent au bon bagaille. Nous-mêmes nous ne pouvons pas rien, nous toujours été avec même code pénal là, qui a une équipe bagaille qui n'est pas clair. Et nous avons un exemple pour vous, par exemple, sur un article sur le viol, le code pénal nous est là, il n'y a pas de différence entre viol
et agression sexuelle. Mmh. Il mélangeait les deux. Et pourtant, viol va agression sexuelle, agression sexuelle va viol. Si par exemple, yon nègre ou vin ou mwen aide yon fi, ou agresse elle sexuelle, mwen aide elle, ou agresse elle sexuelle, non pas violer si elle. Si vous mwen viol ou vin ou mwen pénétration, ou l'autre bagarre ou vin ou mwen. Mais le code pénal, nous qui en a utilisé là, son code pénal qui touche, qui parle de, qui mélange yon. Ça veut dire que c'est pas normal. Donc le code pénal là, qui pas dit un yé sous sa orelo publicité mensongère. Par exemple, on a arrêté là, il dit Bichard a dit tel bagarre sous mon nez. Il faut un gros menti sur le quand même cause mourir. Okay? Mais dans le code pénal, nous n'avons pas de pièce qui était condamné ça, qui te dit que, mais qui condamnation qui a fait pour les gens qui font genre de bagage comme ça. Vous jouez dans le code pénal, ça, on va parler. Dans ce code pénal, là, on va parler de harcèlement. Dans la société, nous avons un peu de harcèlement qui a fait. Sous mesdames, aussi, ou tout. Mais le nouveau code pénal, ça, il y a des articles qui parlent de harcèlement. Il y a des articles qui parlent sous sa rôle pour que ce n'est pas. En ce code pénal là, pas gagné sur sa holoproxénétisme. Il n'a pas gagné sur, par exemple, la zombification. Il n'a pas gagné sur, comment on dit ça, code pénal ça n'a pas parlé en lien sur proxénétisme, comme je dis là. Mais zoophilie, bestialité. Mais nouveau code pénal là, il parle de eux. Mais parle de eux, société. Il y a des bagages qu'il besoin de connaître, il besoin de comprendre, il besoin d'accepter tout. Nous pas qu'à venir poser des bagages et tout, que société n'a pas d'accord. Et c'est ça qui fait que moi-même, position femme, c'est que le code pénal, c'est un bon document qui va être publié par décret et qui a des articles là-dedans qui méritent débat. Ça, c'est ma position. Ok, par rapport à l'homosexualité, bon, et moi-même, moi j'ai un article là, et sous les jeux là, donc c'est l'article 362 qui parlait de discrimination, ok. Après, moun ka parler de mariage homo, mba wel là-dedans. Mais discrimination. Mais gade moun tout, M. Pélex Lerem qui dit, ah, une fois que, par exemple, une sorte de protection que yo bay à moun qui homosexuel, ça ka fait que, eh bien, moun sa pensé que yo gen de droit pour que justement yo ete dans la ouya, yo fais affaire yo. Ou wan yo transporte bay la sous voie publique. Vous pensez que ça ka permettre que yo fais ça, non? Moi, je pense que tout le monde y a droit. Ça c'est position. Tout le monde y a droit. Mais quel est le sujet qui est tellement sensible dans la société, hein? C'est ça que fait me dire que le président n'est pas supposé publier des codes. Ouais, pourquoi dire ça seulement, il n'est pas supposé publier le décret? Parce que ce n'est pas normal pour que des bagailles que nous n'avons pas d'habitude avec eux, ok? Qui va dans la culture, nous, qui va dans l'habitude, nous, pour que nous n'ayons pas arrêté, nous n'ayons pas plaqué comme ça, ce n'est pas normal. Parce que si vous commencez à parler de discrimination, moi-même, discrimination par exemple, faire sur personne, ni pour sexe, ni pour religion, ni... c'est ça, c'est pour je pas. Mais tout, c'est pour entrer, vous me dites, discrimination sur homosexualité. Bah, c'est que, on pasteur, par exemple, deux mon homosexuels viennent pour marier, pasteur, il y a considéré pasteur à faire discrimination. Même le, jusqu'à présent, dans la loi, il y a marqué que le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe différent. Mais, le monde qui a compris que l'homosexualité a légalisé, oui. Et puis c'est là le problème. C'est que, faut qu'il débat, faut que nous gardions. Est-ce que nous avons l'homosexualité est légalisée, oui ou non? Pas qu'à faire passer en cachette. Si nous d'accord légaliser, que nous mettons clairement pour tout le monde légaliser. Si nous pas d'accord légaliser, que nous mettons clairement l'homosexualité pas légalisée dans le pays d'Haïti. Voilà, c'est ça. Nous toujours pas nous côté dans le loi de nous mettons des bagages à peu près. Et je prête à équivoque des bagages qui pas clair et puis qui a créé confusion, mais des problèmes dans la société. Est-ce que dans le cas ça, est-ce que dans le cas ça, M. Pélex Lerem, étant donné que nous en droit pénal, est-ce que là nous allons faire analogie pour nous dire si nous avons et puis nous ça fait analyse pour que nous montrer d'exister si nous avons tout? Allô? Oui, nous dit comme nous n'en droit pénal, comme c'est code pénal l'allié, c'est vrai que c'est code des interdits, mais si nous parlons de manière claire, est-ce que nous devons faire analyse pour que nous essayer de montrer que dit là-dedans, il permet que garçon à garçon marié, etc. Bon, voilà. Mais c'est ça le problème, non, Bichard. Et vous voyez que le code pénal ou le droit pénal est d'application stricte. Même moi-même, comme l'avocat, nous avons toujours répété ça.
Mais quand nous parlons de l'interprétation, il y a plusieurs formes d'interprétation. Là, sur l'autre, là, des interprétations. Mais je pense que ce qui est important, c'est que l'article Sachéoa, tu as supposé faire président prudent, pour ne pas publier au responsable décret, parce que le Parlement, c'est lui-même qui t'a fou faire débat, parce que c'est eux-mêmes qui représentent le peuple à vous et autres, c'est dans tout coin pour représenter. Ok, tout à fait. Maintenant, question inceste là, regardez, et normalement, dans le droit civil là, c'est jusqu'à troisième degré, bah, on connaît, etc. Et regardez le code pénal là par rapport à inceste là, qui ça dit où? Là, son code pénal tout, quoi qui passe là-dedans, n'est-ce qu'il copie l'autre côté? N'est-ce qu'il copie l'autre côté qui gagne notre culture? Et puis, on y claque dans l'estomac pour nous comme ça. Il y a l'autre culture. On y claque à faire comme ça.